Des copains qui sont venus me voir et qui m'ont demandé avoir un réacteur à plasma. Je leur avais dit oui, j'en avais fait un mais trop poussé, et quand je l'ai essayé, ben, il m'a pété ou frogné, paf, on n'en parle plus. Donc j'en ai refait un tout simple, mais en tout simple, et qui marche bien. Le voilà. Alors là, c'est vraiment plus simple que ça, un pointeau pour taper, pour mettre les ferrailles, un bout de tube aluminium 40, le vieux collier. Et puis un générateur de haute tension qu'on achète ça en Chine ou où on veut. Hein. Et on peut voir le faisceau et tout le comment ça fonctionne. Voilà, on va lui mettre une bougie assez loin. On va déjà allumer la bougie. Ça, et on entend même le vent souffler. Hein. Alors, on va essayer de le brancher comme ça. Il faut que je mette mes lunettes. On entend mieux. Qu'est-ce qu'on est gauche de la main à droite? Voilà. On va le mettre comme ça, je pense que ça va aller. Je sais pas ce que j'ai vu. Voilà. Tu vois la bougie, tout? Voilà, je vais monter la tension doucement et tu vas entendre certainement le. Ah, non, court-circuit. Oh. Attends, il y a le bordel qui s'est barré. Clément qui appelle. Bon, ouais. C'est bon. Tu vois là? Ouais. Voilà. Bien. T'as vu? Ah, t'as la bougie, j'ai filmé la bougie là. Hein. Ah oui, non? Bon, j'arrête. T'entends le vent? Et là, normalement, si j'éteins la lumière, que tu te mets en ligne, tu vois le trait de. En ligne, dedans, à l'intérieur, tu vois le. Ah, ok, ouais. Là, ah, ouais, tout à fait. Ouais, on voit bien. Voilà. Alors là, je ralentis, je remonte. Là, ça souffle. Hein. Ouais. Je ne veux pas semblant. Voilà, ma foi, là, le petit réacteur à plasma, comment ça marche. Alors, il faut faire vachement gaffe, parce que si je monte la tension, ça risque de. Ça amorce et puis ça fait mal. Hein. Ouais. Ça donne méchant, mais. Hein. Voilà, on va l'arrêter, parce que c'est bien gentil, mais c'est quand même assez dangereux. La haute tension, il faut toujours faire gaffe quand même. Voilà, et ben ma foi, 73, voilà ce que c'est, un petit réacteur à plasma, il n'y a rien dedans. C'est tout simple, le plus simple possible, c'est ce qui marche le mieux. La preuve. Allez, ma foi, ciao tout le monde.